Bonsoir, je suis Hakim, le papa du petit Yanis qui a été tué par Marie-Christine, qui a été épargnée, elle, par la justice, elle qui n'a laissé aucune chance à Yanis. Eh bien, ce soir, aujourd'hui, pardon, je vais pas parler de Yanis, mais de Pierre Palmade, qui a fait très fort quand même. Sous effet de drogue, traverser la route, taper face à face notre véhicule. Quand Dudy l'a fait fort, c'est qu'il a tué un enfant avant même qu'il naisse. Eh bien, je me rends compte que déjà sur les réseaux sociaux, on commence à lui préparer une certaine défense. Apparemment, il ne serait pas tout à fait fautif, puisque ça ferait 20 heures qu'il était en train de faire la nouba, mais c'est quand même quelqu'un de très dangereux. Et puis voilà les conséquences de sa façon à lui de vivre. Il n'a laissé aucune chance aux personnes qui venaient de l'autre côté, qui s'y attendaient pas. Eux n'étaient pas sous effet de drogue, une femme enceinte, un enfant de 6 ans, un papa de 40 ans. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Eh bien, cette petite vidéo, c'était pour dire toute l'horreur, en fait, de ce crime. Pourquoi continuer à parler d'accident? C'est un crime. C'est un crime. Pierre Palmade, c'est quelqu'un de connu. Je pense que d'ores et déjà, il a des avocats qui commencent à se lancer hein, pour essayer de le dédouaner. Et je pense qu'avec la relation qu'il a, il s'en sortira pas trop mal. Voilà, donc je lui souhaite beaucoup de mauvaises choses à Pierre Palmade, qui a tout simplement tué un enfant avant même qu'il naisse. Et alors j'espère que ce petit garçon de 6 ans et son papa s'en sortiront. Je leur souhaite de tout mon cœur qu'ils se rétablissent. Et encore une fois, j'espère que Pierre Palmade pourrira dans une prison. Je le dis du plus profond de mon cœur et tout le monde comprendra pourquoi. Les passe-droits, ces gens qui sont protégés, surprotégés même, puisque là, ces relations vont sûrement rentrer. On voit déjà les médias qui commencent à lui arrondir les angles. Eh bien, je te souhaite, mon bien Pierre Palmade, de très très mauvaises choses et que tu pourrisses en prison. C'est Hakim qui te passe un message de tout son cœur. Que tu pourrisses dans une prison, c'est mon souhait, réellement. Au revoir.